Effectivement, on est à une période un peu transitoire avec la Chine où maintenant on est passé un peu du Made in China à Create in China. Ça remonte un petit peu dans l'ADN de la Chine puisque à l'époque de la route de la soie, c'était vraiment eux qui drivaient l'innovation. Aujourd'hui, c'est de nouveau le cas. Je pense que la Chine a pris une certaine avance par rapport à pas mal de domaines technologiques en l'occurrence. Et c'est vrai que ça a tout intérêt, on a tout intérêt ici en Occident à regarder ce qui s'y passe. Parce que par rapport à la R&D, il y a énormément d'investissements qui sont faits sur l'intelligence artificielle appliquée, puisqu'ils ont la chance de pouvoir d'avoir une avance sur nous en termes d'infrastructure. Donc tout ce qui est data-oriented, ils ont mis en place les smart cities déjà, et ils ont mis en place l'intelligence artificielle sur pas mal de domaines, même la santé. Et je pense qu'on a tout intérêt à regarder la Chine pour ça. Donc sur la partie plus distribution, pour eux, en fait, ce qui est un petit peu drôle, on va dire, c'est que pour eux, le e-commerce, c'est quasi ce qui est équivalent pour nous à la distribution traditionnelle. Donc ils sont passés directement au mobile, on va dire, puisque leurs infrastructures en termes de distribution, de shopping mall, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ils sont passés sur le mobile sans même passer par le PC. Et donc pour eux, ça, c'est le commerce, la transaction commerciale initiale. Et donc de là, ils sont en train de développer en fait beaucoup de best practices. Pour les marques françaises, par exemple, qui s'installent là-bas, et toucher le consommateur. Donc, ils ont déjà intégré le nouveau parcours, ce que j'appelle moi le nouveau parcours du consommateur, les différents touchpoints dans sa décision d'achat, dans son pouvoir d'achat. Et c'est en ça que je pense pas mal d'entreprises devraient observer la Chine de plus près.